Vous en pensez quoi de mes cheveux là? Ça passe en vrai hein? Là ça fait bien. Ça change. Petite chemise, tu as le délire. Ça dit quoi l'équipe? J'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait plaisir de vous revoir aujourd'hui, ça fait plaisir qu'on se retrouve chaque semaine et tout. Je suis content. Par contre, on en parle, on est déjà au mois d'août. Carré, juillet, c'est fini. Vous savez que ça me choque? Dans 30 jours, genre c'est la rentrée. Oh, c'est déprimant. On va quand même essayer de kiffer au mois d'août. On va quand même essayer de poster des vidéos comme ça. Pour ceux qui partent pas en vacances, bah je suis là, je vous divertis. J'espère que ça vous fera plaisir. Je vous vloguerai aussi mes vacances, Inch'Allah, avec plaisir. Mois d'août, essayez de profiter au max parce que ça passe archi vite. Donc commencez pas à perdre du temps derrière la play et tout. Sortez, faites des activités parce que sinon, en septembre, la rentrée là, vous allez arriver, vous allez dire ah putain, j'ai rien fait cet été. Et n'oubliez pas l'équipe, restez concentrés et restez connectés parce que c'est ce mois d'août où je vais choisir une personne qui va passer l'après-midi avec moi. Je vais plus la sélectionner en fin de mois. Pourquoi? Parce que ça multiplie les chances. Il y a des personnes, elles sont en vacances, donc elles sont... ont peut-être pas la chance d'y participer, donc fin de mois d'août je sélectionnerai une personne. Donc pour participer, comme je vous ai dit, nom, prénom et ville en commentaire. Faut que vous bombardiez, plus il y a de commentaires plus je vous vois et plus vous avez de chance d'y participer. Faut envoyer tous les jours commenter l'équipe, tous les jours vous commentez, peu importe hein, vous pouvez mettre nom, prénom, ville, mais après vous pouvez me donner de la force, comme ça je vais vous voir, je vais voir votre nom qui apparaît. Donc bonne chance à tous et on va commencer la vidéo. Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur quand t'as ton appart. Tout le monde sait que j'ai pris mon appartement, bon il y en a qui savent pas encore, mais voilà, j'ai pris un appartement bah, dans lequel je vis. Mais après je vous mens pas, je suis tout le temps chez ma mère. Les gens qui viennent à l'improviste chez les gens, qu'est-ce qui manque dans votre éducation? Bah ouais. C'est un vrai chemette lui, il a pris le bon ascenseur, il nous a laissé dans l'ascenseur tout le cake ça. Arrête de dire l'ascenseur le cake, nous il est bien le nôtre. Grand miroir, il est plus grand que ça. Comment la sent bon, tout le monde nous a laissé. Comme du petit rat, comme du petit rat enfermé avec de la pisse de partout. Lui il a pris un petit ascenseur, bien, il y a de la musique classique, des caméras, tout. Non, la tête c'est nul, moi je trouve c'est pété. Tu sers quel étage? Comparé au nôtre. Ah c'est bon, on est arrivé, c'est là. Voilà, attends, je te rappelle. Qui c'est là? Attends, mon frère. Non, je te rappelle, je suis choqué. Wesh. Ouais, oui, bonjour. Qu'est-ce qu'il y a? T'es surpris de nous voir? T'es un bon frère. Qu'est-ce qui vous amène? T'en fais trop. Ça va? Ouais, ça va et toi? Tranquille, alhamdoulilah. Comment ça se fait? Comment vous connaissez l'adresse? Je vous l'ai pas donné. Non, en fait, c'est... Maman. Je l'avais dit de pas vous donner, parce que je sais que vous êtes des squatteurs. Mais t'es un bon. Non, mais c'est carré. Non, vous êtes des chevaliers. On est de passage. Restez pas trop longtemps parce qu'après il fait nuit. Ah ouais? Ouais. Tu me sers pas? Ouais, enlève tes chaussures. Bon, y'a pas à boire? Ouais. Bismillah, tu viens d'arriver. Oula. Enlève tes trucs, va t'installer s'il te plaît. Enlève. Pour dégrader à l'huile d'olive là. Allez, va là. Oula, t'as tendu. Tu fais quoi debout là? Hein? Vas-y, descends là. Cherche une prise. Non, toi aussi, arrête tes conneries. Fous ça, lui. Mais comment tu parles le bordel là? La plaie. Ta gueule. Oui. C'est pas la daronne là qui fait le ménage. Ah mais j'aime trop foutre le bordel ici chez les gens. Il y a des croque-monsieur. Je suis désolé, vous débarquez pas comme ça chez les gens. Salam alaikum, je veux rentrer. Non. Appelle, préviens, dis-moi je passe pas, t'es là, t'es pas là. Alors ça aussi franchement, comportement. Je sais quoi, il nous a pas proposé à manger rien. Il est où là? Il est dans la salle de bouffe. Regarde, fais le plus, regarde s'il est là-bas. C'est carré. Mais je te jure mes frères ont débarqué, je suis pas au courant. Ils sont arrivés comme ça, toc toc toc, oui c'est nous. Mais qui vous a envoyé en fait? Wouah. Oh lolo, Jack. Tout bien. Jack. Oh. Donne. Jack. Oh, il est dans le cheese. Attends, ça je le cache chez moi. Attends, ça va plus. Oh, tu t'en dis pas, coco. Oh. Faites quoi là? Qui t'a donné ça en fait? Qui t'a donné l'autorisation? Tu fais quoi sur ses épaules? Mon aile. Toi, ta tête de chameau, il prend pour un chameau, toi, tu dis rien. J'ai rien fait du tout, c'est parce qu'on n'avait pas atteint le tiroir. Qui normatie? Comment ça descend? Vous demandez pas, vous faites comme chez vous. Wesh. Eh, louf! Dans la couche chez coup là! Cache le chocolat! Casse-toi! Descends! Descends-toi! Pas descends! Pardonne! Veux autre petite tenue, on kiffe? Moi j'ai déjà la mienne, frère, moi il me faut des accessoires, frérot! Oh loulou, t'es moi les lunettes! Vrai oh, paire de lunettes. Une bague, allez, hala, c'est bon, je vais mettre ça. Ma petite repée en bien. Elle est bien la paire. Bien, de ah, où les lunettes, elles sont chambées. De où quoi? Ah, là, c'est carré. Oh là là, tiens-moi la sacoche. Sacoche, dis-moi. Oh, il y a plus une sacoche pour moi aussi. Moi, c'est une. C'est un vrai dressing. Parfois, tu parfois tant fort. J'ai jamais vu ça de ma vie. T'es un bon. Ça va, je vous dérange pas trop? Hein? Ah, tu bégayes, hein? Pose-moi le parfum, s'il te plaît. T'arrêtes pas partout. Il est là. Pourquoi t'es habillé comme moi? Et toi, pourquoi t'es habillé comme moi, ton truc XXXL là? Mais qu'est-ce qu'il y a de moi? Normalement, tu donnes des affaires, tout. Tu donnes des affaires, hein? Je t'ai déjà tout donné. Enlève-moi ça, s'il te plaît. Et remets tes sapes là, tes sapes de la veille. Ils servent. Vous croyez qu'il y a tout là? C'est un showroom privé ici? Ça va bien. Enlève. Je l'ai pas fait, enlève. Oh, t'es vraiment un rat, toi en fait. Ouais, enlève. Et c'est la dernière fois que vous venez ici. Attention, je vais appeler la daronne. Vous allez rentrer, vous restez pas là. Vas-y, arrête. Vous allez rentrer. Ah non, mais moi, mes frères, ils viennent, ils débarquent, ils font comme chez eux, vraiment comme chez eux. J'étais là-bas, ils sont venus à moi. Je respire quand? C'est comment là? Il reste 10 minutes, non? Ouais, ça, 10 minutes. Ouais, 10 minutes, parfait, comme ça, au bout des 10 minutes, ça y est, le match est fini. Non, il prend chacun rentre chez soi. Tu veux dire quoi, ça? Sur la tête du petit, il veut me virer. Pourquoi tu veux me virer? Bah, je sais pas, mais vous allez pas laisser maman toute seule en fait, la daronne est toute seule. Elle est avec le daron, elle est avec le daron, elle est avec le daron, elle nous a pas appelé, moi je vais.
chemettes. Ah, Karim, vous voulez dormir ici? Hein? Ouais. Bah, pour accident. Ah, d'accord, et vous, des pyjamas, des brosses à dents, non? Caleçon, on dort en caleçon. Y'a pas, c'est la rue ici, y'a pas de caleçon. On mange quoi? Pizza! La pizza à côté, elle avait l'air pas mal. Ah, là, c'était un autre, je commande pizza. 4 fromages. 4 fromages. Voilà, pizza margarita. Ah, une agendas, un pot d'agendas. Et un pot d'agendas. Je le tweet. Un coca et un oasis. Ouais, du coca et un oasis. Ils croient qu'ils sont chez leur mère ici. Bon, non, je parle pas à vous, monsieur. Ok, faites l'offre, hein. Appliquez l'offre. Ouais. Une pizza achetée, une pizza offerte. Attention, c'est la dernière fois que vous venez manger ici. Hein. Vous mangez, vous dormez ici, vous venez les mains vides en plus. Même pas de brosse à dents, même pas de bande de petits cracra. Je vous dis, c'est la dernière fois et je vais appeler la dame en plus. Je vais lui dire que vous êtes venu squatter ici. Mais non, je lui dis pas. Bon, vas-y, bonne nuit. Quoi? Ouais? Vous dormez? Bah, bonne nuit. On dort où? Bah, je sais pas, ta chambre là-bas, qu'est-ce que tu viens de gratter ici? Là, c'est un lit, une personne. Quelle chambre? Là, c'est une personne. On dirait que c'est nous bien, moi et Loïc. On dirait bien. Va là, je fais te chiquer ton gros visage là, va là-bas. Bah, elle est où l'autre chambre? Je vous ai pas montré, je vais vous montrer l'autre chambre. Et? Ouais, je sais pas. Oh, l'autre chambre, c'est ta chambre. Oh, l'autre chambre. Toi en bas, l'autre en haut. Quoi? Voilà, t'es trop manqué. Quoi? Je suis choqué. On a quitté de là-bas, tu nous as ramené à l'histoire posée ici. Ouais, c'est très vintage, c'est à la mode. Dors en bas, l'autre en haut. On a quitté l'HLM, lit superposé. Ah non, t'as trop manqué là. Toi, t'as la couette. Mais moi, je dormais quoi, moi? T'as pas de couette, monte en haut. T'es tout mec, de toute façon, tu dors bien. Rien compris à la vie, toi. Mais c'est pas possible. Rien compris à la vie, je dors avec toi, moi. C'est quoi ça? Et je reviens toujours prendre la tête, il a trop manqué. Et Ryan? Ouais. T'as vu où il nous fait dormir, s'il te plaît? Non, c'est pas carré. Je quitte là où je vivais pour dormir là. On quitte la house pour revenir dans la house. Lui, c'est ouf, il prend des grands lits comme ça, ils font 15 mètres. Il m'a laissé un petit espace vital de rat. On dirait que je suis au placard, il y a des barres en métal. C'est vraiment le lit superposé que j'avais avant. Je me voyais pas vivre dans un nouvel appartement sans l'avoir racheté. En fait, je sentais qu'il manquait un truc chez moi, mais je savais pas quoi. Il est là en face de moi, je le regarde, je me réveille, je le vois. Quelle satisfaction! C'est vrai que quand j'étais petit, j'étais comme ça. Possible, c'est pas possible, je peux pas dormir. Il y a quelqu'un dans le salon. J'entendais plus, il y a quelqu'un à la télé, c'est pas possible. Il est où, fait? Pourquoi tu me réveilles? Il y a quelqu'un dans le salon. Il y a qui dans le salon? Ta grand-mère? Il y a ta grand-mère, elle est en train de faire un match de foot. Il y a quelqu'un, je peux pas dormir tout seul, désolé, je peux pas. Il peut pas dormir tout seul, il veut dormir chez moi après, il a peur. Je fais de l'asthme. Je fais de l'asthme. Laisse-moi. Peut-être, ma mère, je vais te mettre une claque. Ton asthme va partir. Ta respiration, elle va être nickel. Merci. En plus, il me colle. Me colle pas, s'il te plaît, me colle pas. Fou somme, il a peur. Peur de quoi? Les genoux, il te voit, il crie. Il m'a collé ici. Loïc, t'as 30 ans, t'as encore peur quand ta mère découvre ton appartement pour la première fois. Bah écoute, bienvenue. Quand on se retrouve? Alors, salut. Pas d'appel, viens voir l'appartement, viens voir où j'habite. Rien du tout, hein. Cloche, je suis pas pour t'avoir. Attends, comment ça, mais j'allais t'appeler, maman, doucement, je prends mes marches. J'ai rien à foutre. C'est pas mon problème. C'est pas mon problème. Moi, c'est qui m'a donné l'adresse? C'est toi, Pierre Paul Jacques? Et moi, ils m'ont dit c'est toi qui leur as donné. Moi, je leur ai donné l'adresse. J'ai rien donné du tout. Arrête d'inventer, arrête. J'avais dit ça. Arrête d'inventer. Rentre. On avait pas été sûr. Le locataire, il avait une personne, il croyait la percé. Il a gratté pendant 25 ans chez moi. Mais nous, on peut pas gratter ici. Allez, installez-vous. Prada. On est dans la maison de Prada, je suis choqué. Il est chez Prada ici. C'est la son chambre, ça! Regarde, chambre de palace! 5 étoiles! Quelle chambre 5 étoiles? Qu'est-ce que tu racontes? De luxe. Chambre de luxe, et nous ils nous laissent dans les lits superposés. Salle de bain! Regarde! Les crèmes qu'il a! Il a un sauna! C'est pas un sauna, c'est juste une douche à l'italienne! Arrête de mentir, c'est un sauna! Arrête! T'as pas peur que je te dise! Miroir est sale, j'ai jamais vu ça! Je suis choqué, j'ai jamais vu ça! C'est la chambre de qui ça? C'est la chambre des invités, hein? Ouais. Il a mis à lui superposer! Le respect! Il a fait exprès! Le respect! Il est où le respect? Non, mais c'était juste pour avoir des souvenirs. Ferme ta gueule. On dort ici, nous. Lui, il dort dans la chambre 5 étoiles et nous ici. C'est maman, maman, tu vas dormir là-bas. Décrète-toi. Moi, je parle pas. S'il te plaît, la chambre de réfugié là-bas, c'est pour qui? Comment ça, c'est une chambre de réfugié? Qu'est-ce que tu racontes? Je suis choqué, je le respecte pas. Ok, vas-y, prends ma chambre, prends mon lit, prends tout. T'as intérêt, hein? T'as intérêt. Oui, moi, je dors dans l'autre lit. Je vais me faire dormir sur un lit sur l'autre. Je suis quoi, moi? Déjà, c'est moi, je te dis, hein. Là, je suis pas à l'aise. Il y a des choses. On va bachar un petit peu. Bachar. Il n'y a que des chayatines ici, je sais pas, il invite qui? Il invite que des criminels ici, il invite des gens ici. Des sadiques. Je t'ai dit, invite personne ici, pourquoi t'invites les gens? Bon bah voilà, je ne vis plus tout seul. Bienvenue à tous! Venez vous installer ici. Hein. Vraiment, je ne peux pas respirer. C'est vraiment le mot-clé de la vidéo. Respiration. Ah non, mais à ce stade, je suis vraiment dépassé. Il manquerait plus que le dorme. Y'a pas le stage, j'ai ramené 10 sacs! Y'a pas de sacs! Ok, merci, on y est. Si vous brillez.
Non, je suis choqué. Je vais faire un malaise. Tous venus en même temps, je comprends pas le délire. T'es pas content de m'aimer voir, de voir tomber? C'est quoi, c'est une réunion de famille? Pourquoi tu m'as suivi toujours dans mes pas? Ta gueule. Je suis dans des pattes car j'aime les Kit Kats. Voilà. Oh, je suis gêné. Je suis gêné. Même moi je fais les face cam là, je suis gêné. Je rentre dans ma maison, ma nouvelle maison. Je le déteste, il est ici. Je suis déprimé là, c'est bon, je suis pas. Les pattes de mes rêves. Et très jolies les chambres. Les chambres de mes rêves. Ça c'est un bon lit ça. Le lit est confortable. Ma nouvelle chambre, je l'aime beaucoup. Qu'est-ce que tu fais là? C'est pas ta chambre ici, qu'est-ce que tu fais là? Ta gueule, je reste ici, j'aime bien. Non, non, il y a de la place dans le salon si tu veux, mais ici c'est ma chambre. N'est-ce qu'elle, Bédin? Je vais pas de moi ici. Je me casse d'ici, je suis pas à l'aise dans ta maison. Voilà. T'es ma perdu, je dégage. Les gars, Kabouri, je suis pas à l'aise dans votre maison. Les arabes des merdes. Si oui, on est des arabes de merde, oui. Bon débarras. Un de moi. Ah bah voilà, il a fait une petite apparition. De courte durée, mais à tout moment il peut débarquer lui aussi. Bon bah bienvenue chez moi, bienvenue dans mon nouvel appartement. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous ai quand même mis un petit best-of histoire de... C'est qui ça? Va voir, va voir. C'est qui va voir comme ça? C'est qui? C'est qui? Elle a brûlé. Là là, reste en distance, staff, c'est ta mère qui paye. C'est la gardienne. Ouais, qu'est-ce qu'elle veut la gardienne? Monsieur Fad? Monsieur Fad, elle m'appelle monsieur. Je vais pas que ça tu vas voir. Jeune homme Fad. Continue, continue, continue. Comme ça dans ta poitrine. Continue, je vais attraper ta tienne, je vais te boxer. Je crois qu'il y a le loyer à me payer. Je suis pas venue pour m'embrouiller. Je veux juste que vous me payez mon loyer. Je dois passer par qui s'il vous plaît? Passe par qui? Passe par Freneux. Voilà ton frère. Et il fallait le passe par qui? À deux doigts, je la massacre. Je la... Tu sais, à deux doigts, je la tue. Elle gaz, elle retoque. Oui? Rentre. Connaissez-la, je termine la femme de ménage. Si, effectivement, c'est je suis l'homme de ménage, ouais. Ça se passe là-bas, vas-y. Je t'en prie. Gratuit en plus. Les chaussures. Ouais, non, mais les gardiens aussi, elles sont culottées. Déjà que vous payez pas le loyer, venez pas nous saouler. Puis voilà, l'équipe, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Mets un like, mets un commentaire. Toute ma chaîne là, elle reprend petit à petit là. On essaie de taper les 20 000 likes. Je sais pas, likez, bombardez de likes. Je vous attends en commentaire, je vous attends dans les likes. Et n'hésitez pas à vous abonner, bien sûr, à ma chaîne YouTube. Franchement, on a gagné 10 000 abonnés en un mois. Je suis content. Ma chaîne, elle est en reprise. Ça fait plaisir. Quand je vous ai dit à profiter du mois d'août, n'oubliez pas de participer pour que je puisse voir l'un d'entre vous. C'est au mois d'août et au mois de septembre. Il y a un mois de septembre aussi qui arrive. Donc, plus vous commenterez, plus vous aurez de chances d'être sélectionné. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous kiffe l'équipe et prenez soin de vous. Ciao.